Yo les gars, c'est DJ Dyke, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la charvente. Alors j'espère que vous allez bien, moi en tout cas, on va dire je pète la forme. Donc les gars, ce sera une petite vidéo, ça va pas durer longtemps. Je vais vous montrer en ce moment ce que je fais, comme à charvente. Donc moi pour le moment je fais de la charvente sur les boosts. Mais pas n'importe quel boost, j'en fais deux. Après, je vais vous montrer un troisième que j'ai déjà fait une fois. Peut-être qu'il fonctionne bien aussi. Ça, je sais pas. Je n'ai pas testé plus que ça. Moi, en tout cas, ce que je fais le plus souvent, c'est. Donc, je me mets en spécial. Donc, en boost, quoi. Et je mets Bolassie. Donc, je mets Bolassie. Parce que voilà, vous savez, Bolassie, 5 étoiles, geste technique. Il est rapide. Il joue en BPL. C'est un joueur assez cherché. Donc, ce que je fais, je recherche le moins cher. J'espère que je vais en trouver un en vidéo. Ça, j'en sais rien du tout. On verra ça. Donc, le moins cher, là, voilà, 75 000, 74 000 et des. Ce que je recherche, c'est de le foutre, enfin, de le choper en chasseur. Donc, soit vous spammez comme ça en vous mettant. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos. Moi, en tout cas, je fais ça depuis quand même pas mal de temps. Vous vous foutez ici en achat immédiat. Vous revenez avec Ron ou je sais pas quelle lettre sur Xbox, et vous faites comparer prix, donc comparer prix et puis rond, vous revenez et à chaque fois vous faites comme ça, tac tac. Donc vous essayez de choper en spammant, essayez de choper le moins cher en chasseur. Alors ce que vous pouvez faire, donc on va voir le chasse en chasseur c'est quoi le moins cher. Je vous conseille fortement de le faire en chasseur parce que voilà, c'est un attaquant rapide. Les gens, ils cherchent quoi? Ils cherchent à ce qu'ils soient encore plus rapides et à ce qu'ils tirent bien. Donc, chasseur, c'est 3, plus 3 en vitesse et plus 3 en tir. Donc, le moins cher en chasseur, il est à 78 000. Donc, c'est pas exceptionnel, ça. Même si, voilà, regardez, par exemple, si on va le choper en chasseur, le moins cher, par exemple, il sort à 75 000. Ou à 74 000, avant on peut le remettre quasiment 10 000 en plus. Mais alors mettez quand même 99 de contrat, donc 99 pour les Français. Vous mettez 99 contrats, donc 99 contrats, et veillez à ce qu'il ait aussi 99 de forme, quoi. Et je vous assure, vous le mettez 10 000, il partira. Moi j'en ai chopé plusieurs à 70 000, 72 000, ou même une fois à 68 000. Et bim, je le remets à 82 000, il est parti. Il y a encore une demi-heure, j'en ai vendu un. Et vous faites au moins minimum 3 000 sur la carte. 3 000-4 000. Après, il faut durer un peu de temps avant de le choper. Hein. Là, voilà, je ne vais pas forcément le choper maintenant. Parce que voilà, j'ai pas énormément de temps dans la vidéo. Mais voilà, je vous assure que c'est largement faisable. Donc vous faites ça avec des bols assis. Vous faites ça aussi avec les un rapide de BPL, Sadio Mané, les gars. Dont les moins chers, ils se trouvent dans ces alentours-là, je crois. Voilà, 80. Non, il a augmenté, non. Bon, voilà, 87 000. On va quand même chercher les moins chers. 84. Voilà. 81. Voilà. Et choper 84 000 en chasseur, là. Ah, il y en a deux à 84 000. Ah, 81 000. Celui-là, on va. Putain, il est parti. Ah, je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté. Attendez, on va remettre un peu. On va mettre 150 ici. 83 500. Ouais. Ah, merde, je l'ai loupé à 81 000 avec chasseur. Ah, 80 000. Ah. Ah, je sais pas, les gars. J'hésite à choper celui-là. On le chope ou pas? Bon, on va le choper. Les gars, je l'ai quand même eu 3 000 au moins de ce qu'il vaut. En moins de ce qu'il vaut, donc celui-là je vais mettre 99 contrats. Si vous en faisant, en actualisant et vous en chopez un quand même à 3 000-4 000 moins cher que la fourchette de prix, enfin que le moins cher qu'il y a sur le marché, je vous conseille quand même de le prendre. Vous le foutez dans votre truc là. Bon, on va le mettre à la place de qui? Bon, Sunda, voilà. Vous le mettez dans votre équipe active, vous le bourrez de contrats. Vous le bourrez de contrat et vous le mettez, je sais pas moi, 6-7 000 en plus. Et normalement, il partira parce que les gens, ils vont voir 99 contrats, ils vont devenir fous. Donc voilà. Ici, chasseur, j'ai envie de.
Je peux le prendre, hein, attendez. Si je revends 90 000 par exemple, ça me fait 9, 18, 27, 36, 45. Ouais, ça me fera 1500 de bénéfice. 1500, ouais. Non, je vais pas le prendre, mais. Attendez, j'hésite, hein, j'hésite la blinde. Non, je vais pas le prendre celui-là, mais c'est comme ça. Vous actualisez et vous attendez qu'un chasseur y vient ou bien un autre boost. Excusez-moi, on m'envoie une invitation. Voilà, vous attendez qu'un chasseur vient ou que un autre vient, mais beaucoup moins cher que celui qui est là. Donc voilà. On va tout de suite faire ensemble ici. Comme ça, vous voyez à peu près comment je fais. Ah, ça m'énerve. J'aurais voulu choper un chasseur pas cher. Il y en avait un à 81 000 là tout de suite. C'était une putain d'affaire. Mais bon. Alors, appliqué consommable. Voilà, là je crois qu'il a 99 contrats, j'ai jusqu'à mettre il a 99 de forme, j'ai juste à mettre les contrats ici. On va le foutre ici. Voilà, encore deux je crois, quasi bon. Quasi bon, quasi bon. Donc on va le foutre plus qu'elle. Voilà, c'est bon. Quasi bon, donc on va le foutre plus qu'elle. Voilà, c'est bon. Comme ça. Et vous le foutez ici. On l'a eu à 80 000. Franchement, celui-là, vous voyez, les moins chers, ils étaient à 83, 84 000. Vous pouvez le foutre à 80. Je sais pas, moi, 87 000, il partira, je crois. Et alors, ça nous fera quand même 8, 16, 24, 32, 40, 50. Ouais. Non, on peut même un peu aller 88 000 et on va avoir, je sais pas, moi, 2, 3 000 sur cette carte. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Je vais vous montrer un dernier joueur avec qui il y a quand même moyen de le faire. C'est, vous allez voir. Ici, Pedro Rodriguez. Donc, je sais pas c'est quoi le moins cher, mais. 60, ouais, voilà. 60 et des 1000, 63 500 le moins cher. Bon, hop, on actualise 2-3 fois pour voir s'il n'y en a pas. Non. Donc, ici. On va foutre 65 000. Et là, il y en aura plus. Œil de lynx, œil de lynx. Non. Bah, là, même chose, les gars. Vous essayez de le choper en chasseur et vous le foutez 10 000 en plus. Franchement, vous le foutez 10 000 en plus. Vous le relistez 2-3 fois s'il part pas. S'il part pas. Moi, perso, je continue à laisser, à le poster, à le relister. Même s'il faut 10 fois, j'en ai rien à foutre. Mais il partira. Là, par exemple, j'avais des Bolasie, des Mané qui, pendant 5-6 fois, ils sont pas partis. Et pour finir, voilà, ils sont partis. Surtout, les gars, chose importante, on arrive, fut champion. Demain, c'est fut champion. Donc, les cartes, elles vont partir beaucoup plus facilement. Je vous jure que les cartes, elles vont partir beaucoup plus facilement. Je vais voir le chasseur, combien il est le moins cher. Et on va arrêter là. Bah, voilà, 66 000. Là, j'ai pas envie de risquer, j'ai pas envie de risquer là. Attends, les moins chers, c'était quoi? Attendez. Donc là, 66 000. 60... Ah, maintenant, il faut le choper, celui-là. Il faut le choper, 66 000 en chasseur. Ouais, les gars, voilà, regardez. Ça, c'est une bonne affaire. Il est parti. Oh, putain, les gars, je suis deg. Vous avez vu? Fais chier, mais je suis con. C'est parce que j'avais plus, c'était quoi le prix de moins cher? Putain. Il est là. Ouais, il est parti, quoi. Ouais. Bon, voilà, les gars. Vous essayez de choper le moins cher en chasseur et vous le foutez beaucoup plus cher. Enfin, beaucoup. Je vous dis pas 20 000 en plus, mais au moins 10 000 en plus. C'est pas mal. Et voilà. De toute façon, vous calculez la fourche, les 5% qui vous enlèvent quand vous revendez le joueur. Donc, voilà, quoi. Ok, les gars. J'espère que vous avez compris. Je pense que j'ai été assez clair et voilà. N'hésitez pas à liker, ça me ferait plaisir et abonnez-vous. Donc voilà les gars, sur ce, je vous laisse. À la prochaine les gars. Tchuss!